Bonjour, bonjour. Nous sommes pour une nouvelle émission des Love Sisters. Et nous sommes entourés de trois beaux Dalton. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il y a maintenant, il y a des Dalton femmes. Et c'est nous trois. Comme disait Heidi, les Daltoniennes. Daltoniennes, oui. Donc, Heidi nous présente Greg, le beau Greg qui est toujours souriant depuis tout à l'heure. Génial, gentil, une belle âme. On voit qu'il a une belle âme. Hein. On accueille Grégory Solinas, qui est guitariste et musicien de jazz. Voilà, bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être là. Donc, tu es originaire de Corse, tu fais de la musique depuis environ une trentaine d'années. Même plus, en fait j'ai commencé à 7 ans, donc j'en ai bientôt 50, donc ça fait un petit Oui, donc tu as commencé la guitare à l'âge de 7 ans. Oui, tout à fait. Voilà, puis tu as commencé après à gagner de l'argent en faisant des concerts, des balles, vers l'âge de 15-16 ans. Voilà, j'ai commencé un petit peu à jouer et puis à me perfectionner aussi, et tourner et faire des concerts. Et tu as découvert le jazz vers tes 19 ans. Exactement. Ce qui t'a donné envie d'en faire. Oui, ben en fait j'ai eu cette passion-là qui m'est tombée dessus et puis du coup j'ai persévéré dans cette voie-là, même si j'aime toutes les musiques, le jazz c'est quand même celle que je préfère et celle que je pratique au quotidien. Et donc tout est parti de là et ce soir tu viens nous présenter ton album d'instrumental qui oui. s'appelle Command Z, voilà. Tu as dans les mains, que tu peux d'ailleurs montrer à la caméra. Donc Command Z. Non tiré d'un raccourci clavier, tu m'as dit, hein, c'est rigolo. Oui, ça. En fait c'est sur les claviers d'ordinateur, quand on fait une erreur, il y a une commande de touche, on fait Command Z et ça efface les erreurs. Donc, Mais tu peux pas le mettre bien pour qu'on voit le... Je peux. Disposer sur la table après, voilà, je pense. Voilà, ce serait sympa, tu vois. Voilà. Il y en a deux en plus. Voilà, donc, Alors le deuxième, on va en parler tout à l'heure. Oui. Pour le moment, là, donc, on parle de cet album, donc, Command Z, qui est un album de 10 titres que tu as composé avec deux amis à toi qui sont musiciens aussi. Oui. Un batteur, hein, c'est ça, et oui. un bassiste. Voilà, c'est un disque qui a été enregistré en trio. En fait, donc, moi j'ai fait toutes les compositions et les arrangements pour ce disque. Et aussi toute la production. Tu es ton propre producteur. Hein, oui, voilà. Ce sont des autoproduits et je suis le producteur de ces disques dans mon petit studio d'enregistrement. Et donc on a travaillé sur cet album-là. Donc tu as travaillé sur cet album pendant le confinement. Enfin, ça a démarré pendant le confinement. Ça a démarré puis tu as travaillé dessus pendant un an. Voilà, ça a été pendant le premier confinement, plutôt que de rester les bras croisés, il fallait bien s'occuper. Donc du coup, j'ai dit, tiens, on va sortir un disque. Et j'ai commencé les compositions à ce moment-là. Et puis, donc ça a pris à peu près une année, puisque la période estivale, là, on a pu faire des concerts. Et donc, j'ai beaucoup joué pendant l'été. Et donc, à la rentrée, vers le mois de septembre, j'ai repris le disque. Et donc, j'ai avancé dessus jusqu'à l'étape finale. Et alors, tu as eu une méthode particulière pour enregistrer avec ton bassiste, parce qu'il était loin de toi? Oui, en fait, le bassiste s'appelle Tonino De Sens. C'est un super musicien qui est italien. On lui fait un coucou, Tonino. Et qui habite à Milan. Donc, c'était pas très pratique. Voilà, ça fait un peu loin. Et donc, on s'est envoyé un petit peu... Donc, moi, je lui ai envoyé les morceaux, les partitions. Et lui a enregistré ses parties basses. Il me les a renvoyées. Et puis, on a fait comme ça un petit jeu de ping-pong pour déjà avoir la basse et la guitare, avoir une trame. Et la batterie, on l'a enregistrée dans un second temps. J'ai fait une prise de son donc avec un superbe batteur qui s'appelle Patrice Herral. Et un batteur de jazz voilà, un grand musicien. Et donc, je suis très, très fier de jouer avec ces deux musiciens-là. Donc tu as comment ça se passe alors quand tu joues vous prenez des chanteurs? Alors ça arrive, mais là le projet c'est vraiment un disque que je souhaitais faire en trio pour avoir un peu plus de liberté. Les autres disques, le disque précédent c'était un quintet avec du piano, du sax, donc il y avait toute une équipe. Et puis là le fait de faire un disque en trio, c'était une volonté, je voulais avoir un peu plus de liberté au niveau harmonique, accord, tout ça, je préférais un peu plus de liberté, donc j'ai choisi la formule en trio.
qu'on va avoir le plaisir d'entendre tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc, alors on ne sera pas en trio. Blues, hein. Oui, voilà, oui. Malheureusement, mes deux amis ne sont pas là avec nous aujourd'hui, mais du coup, je vous prépare un petit quelque chose, un arrangement particulier pour adapter ça en guitare solo. De toute façon, si les auditeurs veulent vous entendre, après, vous êtes sur toutes les plateformes comme Spotify. Oui, Deezer, là, le disque, le Command Z vient d'être placé sur les différentes plateformes, donc on peut le trouver sur Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Alors, tu es également prof de musique sur Prades de l'Aise. Oui. D'accord. Où tu as 8 élèves avec qui tu as monté un petit groupe et avec qui tu as fait un album qui s'appelle Déconfinado. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, c'est un atelier jazz que j'ai sur Prades de l'Aise depuis des années. Ça fait 6 ans que cet atelier existe. Et comme l'an passé, on n'a pas pu travailler tout à fait normalement en faisant des séances de répétition comme on avait l'habitude de faire les autres années. Je leur ai fait enregistrer un album. Donc, on a fait 8 titres en travaillant par petits groupes à chaque fois. Et on s'est retrouvé donc avec un album qui s'appelle Déconfinado, en hommage à un titre de Jobim qui s'appelle Desafinado. Là, c'était un petit jeu de mots. Donc, ce sont 8 titres revisités. Voilà, ce sont des standards de jazz, donc moi j'ai préparé tous les arrangements pour ce disque, c'est-à-dire chacun, toutes les parties sont écrites, et donc on a travaillé nos arrangements et on les a enregistrés. Et d'accord. Qu'est-ce que tu as, excuse-moi, quel genre d'instrument, il n'y a que des guitares? Non, pas du tout, alors là il y a tout, il y a basse, batterie, piano, guitare et 4 soufflants, donc j'ai un sax... alto, un sax ténor, un qui joue un peu de tout, donc du bugle, du sax, de la trompette. Et là, on vient d'avoir une saxophoniste soprano en plus. D'accord. Et comme tu disais tout à l'heure, de l'an passé, tu parles de l'an 2020 ou 21, puis c'est en 2022? Je parle de l'an 2020, du coup. Donc, t'as encore traumatisé ou quoi? Non, c'est pour me traumatiser, il en faut plus. Il en faut plus. Hein. Donc là, comme on est en 2022, je pense que 2021, ça a commencé quand même à rebouger un peu. Oui. Ça, normalement, tout devrait revenir. Ce que je peux nous souhaiter à tous, c'est d'avoir des concerts et qu'on puisse se produire sur scène. C'est le plus important. Notre métier, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est de pouvoir jouer devant un public réel. C'est le plus important pour... Enfin, moi, c'est, en ce qui me concerne, c'est le plus important. Oui, mais ça donne une certaine âme au concert, le fait d'avoir un public en face, à te retrouver tout seul avec Pomme Z ou Ctrl Z, comme tu l'as. Ouais. J'aurais dû plus dire Pomme Z. Hein. Et même pour l'enregistrement de ton album. Hein. Aussi, mais c'est surtout, en fait, moi j'ai fait beaucoup de Facebook Live en fait, pendant 2 ans. Et j'ai quand même, donc ça a été presque une centaine de Facebook Live, d'ailleurs, qui sont visibles sur Facebook, ma page Greg Solinas. Je crois que c'était payé, hein, non? Malheureusement, non, j'ai eu quelques petits problèmes. Je pensais que la SACEM allait nous donner de l'argent, mais non, ça ne rentrait pas dans les bonnes cases. Aujourd'hui, Facebook, maintenant, rétribue. Ouais, mais c'est, pour l'instant, ils ne m'ont pas encore payé, moi. Ah, il met du donc, temps. Là, met du c'est temps. Possible. Bon, j'espère. Après, je n'ai pas fait du tout ça pour de l'argent. C'était plus un entretien personnel de mon travail et garder le contact avec le public comme il était possible. Mais la leçon que je tire de ça, c'est que c'est quasiment impossible, en fait, de faire de la musique de jazz, ou même peut-être certainement les autres peuvent témoigner de ça, mais c'est mission impossible. Il n'y a rien qui remplacera jamais un vrai concert avec du public en live, ça je pense. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien, je trouve, et que déjà au moins tu as été très généreux avec les auditeurs des réseaux, quoi, je veux dire. Oui, et puis ça a créé des liens, c'est-à-dire que ce qui est bien, le côté positif de ces Facebook Live, c'est que ça m'a permis de rentrer en contact avec des musiciens un peu partout dans le monde, et le fait que ça soit récurrent, c'est-à-dire que j'en faisais plusieurs par semaine et que j'ai pas lâché, et donc j'ai fait toute une série comme ça. Au bout d'un moment, ça a attiré pas mal de musiciens, et ça m'a permis de nouer des contacts avec des musiciens que j'admire et avec qui je suis rentré en contact grâce à ça. Donc ça, je trouve ça extraordinaire.
Donc tu fais de la vente directe aux particuliers, du coup, vu que tu es ton propre producteur. Voilà. Donc si on veut se procurer l'un de tes... Alors si on veut se procurer mes disques, il suffit déjà de venir me voir en concert, puisque c'est à la sortie des concerts que je vends des disques. Je ne suis pas distribué dans les magasins de disques, mais il en existe tellement peu que de toute façon, voilà. Et pour acheter le disque physique, vous pouvez me contacter par Messenger, via les réseaux sociaux sur lesquels je suis assez présent. Tu peux regarder la caméra et dire exactement comment on te trouve, Grégory. Donc c'est Solinas, vous, Greg Solinas en Greg fait. Solinas. Greg Solinas sur Facebook, il suffit de taper mon nom, Greg Solinas, et on me trouve sur Facebook, donc comme ça on peut me contacter. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, Greg Solinas sur YouTube. Et on te retrouve à Prades-le-Lez aussi pour tous ceux qui veulent prendre des cours. Voilà, éventuellement. Suivre ton atelier. Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? J'ai un numéro de téléphone, c'est le 06 20 48 45 60. 14. Vous appelez uniquement pour le travail, hein, même s'il est beau. Eh bien, écoute, on va avoir le plaisir d'écouter ton album. Merci beaucoup. Commande Z, un de tes titres. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci pour votre invitation et la bonne humeur sur le plateau télé. Merci, Grégory. Évidemment, je ne vous quitte pas.
maintenant, nous allons retrouver notre rubrique avec le docteur... Libre. Non. Le docteur Love Sisters. Bonjour à tous. Et bonjour. Docteur Love Sisters, la dernière fois on parlait de l'hygiène, on n'a pas terminé notre interview. On n'a pas terminé l'historique, c'était un petit peu long, donc effectivement, après on était resté à la Renaissance, donc effectivement, où on se rend compte que l'apparence compte plus que l'hygiène proprement dite, mais ce qui est important quand même de souligner historiquement, c'est qu'à cette époque-là, ils existaient déjà, mais que sont développés effectivement les cosmétiques et les parfums. D'accord. Donc pour parfums et cosmétiques, pour pallier et pour masquer, et la crasse et les odeurs. Et voilà, la crasse et les odeurs. Voilà. Donc c'était une époque très espèce parce que... C'est une époque très espèce, oui, où franchement, il valait mieux avoir le nez bouché que... Voilà. Exactement, voilà. Exactement. Voilà, donc en fait, après la Renaissance, savoir que pratiquement, arrivant au 19e siècle, dans la région de Paris, sur Paris Intramuros, pour 500 000 habitants dans les années 1850, on a 9 bains publics pour 500 000 habitants. J'arrive pas à comprendre. C'est vrai. La nouvelle hygiène va arriver à partir de la deuxième moitié de la fin du 19e siècle. Elle va être véhiculée à ce moment-là par des scientifiques comme Pasteur et également donc par tout un ensemble social qui va se structurer autour de ça pour transmettre les c'est bonnes... de là où ils se sont aperçus que ils opéraient sans gants, etc. Et que les gens mouraient de septicémie. Et même de passer directement la relation des défauts d'hygiène proprement parlés à la transmission de maladies. Et donc, on va avoir à tous les échelons sociaux une participation pour intervenir, aussi bien au niveau de l'éducation, qui sous Jules Ferry va remplacer les leçons de catéchisme par des leçons d'hygiène, au niveau de l'armée, dans le service militaire, l'instruction des couches populaires, des couches venant des milieux pauvres. Il y avait des lacs pour se laver, tout ça. Jusqu'au début du 19e siècle, on considérait que la crasse protégeait. Et pour un homme, avoir une odeur forte, c'était une preuve de virilité. Voilà. Donc, on a donné une belle chronologie. On arrivera pratiquement après. Jusqu'à nos jours, à savoir qu'encore dans les années 78, début des années 80, il y a pratiquement en France un foyer sur quatre qui est équipé d'une salle de bain, uniquement. Donc, je sais pas si tu as connu, mais moi j'ai connu de prendre le bain hebdomadaire dans une cuvette en fer blanc dans laquelle ma grand-mère me savonnait, absolument. Il avait, effectivement, mais bon, pas à l'eau courante. Pas à l'eau courante. Bon, c'est bon, vrai peu importe. Sur le plan écologique, c'est toujours plus intéressant de prendre des douches que des bains, parce qu'on utilise moins d'eau. Mais sur le plan hygiénique aussi, parce que j'ai jamais considéré que marier un sauna sale, c'était forcément quelque chose de bon pour son hygiène. Docteur Love Sister, est-ce que tu penses qu'on peut parler un petit peu de choses un peu désorganisées, peu importe, puisque c'est la vie. Oui, tout à fait. On va parler maintenant de l'hygiène dentaire, par exemple. L'hygiène dentaire est très importante à inculquer chez l'enfant dès le premier âge, dès l'âge de 3-4 ans. En fait, sur ce qui est de l'hygiène dentaire, bon, la prévention des caries, la prévention des problèmes d'haleine, etc. C'est un problème d'hygiène qui est un petit peu particulier, l'hygiène dentaire, parce qu'il fait intervenir l'introduction d'un élément étranger dans le corps. Donc, c'est quelque chose qui spontanément est rejeté, y compris au niveau de l'enfant, et surtout au niveau de l'enfant. D'accord. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer, autant pour l'enfant, pour le patient, que pour le traitant lui-même, le soignant lui-même. Intervenir dans la cavité buccale de quelqu'un, c'est pas évident. J'ai compris aussi la gravité des appareils dentaires personnellement. Ma maman, elle a eu un AVC
Oui. Et la mâchoire se déforme. Se déforme, tout à fait. Donc le problème, c'est qu'on ne peut plus. Déjà, quand ils ont un AVC assez grave, c'est très dur de les soigner. Il faudrait les endormir presque. C'est déjà compliqué. Donc il faudrait changer complètement l'appareil dentaire. Et encore, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai pleuré plus d'une fois. Le problème, techniquement, ce n'est pas un gros problème. Le problème, c'est le problème de la prise en charge, souvent, de ces problèmes. Ouais, voilà. Je trouve que quand même, là, il devrait y avoir un effort de fait, parce que souvent, on critique, et je l'ai entendu moi-même, on critique souvent les personnes qui partent à l'étranger, se faire poser des implants, tout ça, parce que ça coûte 10 fois moins cher. Je suis désolée, mais enfin, je trouve qu'ils ont raison. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je pense que d'un certain plan, à partir du moment où la prise en charge va se démocratiser, je pense qu'on verra moins ce type de problème. Je pense qu'ils n'ont pas tort dans une certaine mesure. Le problème, après, c'est le problème du suivi, en fait. Et là où ça me pose problème, c'est le problème du suivi. Parce que s'il y a des complications derrière, revenir en Tunisie, par exemple, parce que c'est un des endroits où ça se pratique le plus... Pour un suivi post-opératoire et quand il y a une complication, c'est pas évident. Oh. Et après, revenir chez un dentiste en France quand on s'est fait opérer à l'étranger, faut avoir des relations. Ouais, exactement. Comment en finir sur le problème dentaire ? Dieu sait ce qu'il n'est pas fini. Hein. Ah, c'est pas terminé. Je pense qu'on a encore d'autres problèmes. Vu qu'on est appelé à rester des années ensemble, voilà, je pense qu'on va pouvoir en parler à nouveau. On a tout le temps devant nous. Et donc, la prochaine fois, ce sera un autre sujet. Alors, bye bye. À la prochaine fois. Et voilà, je suis de retour après beaucoup d'expérience et de savoir avec le docteur Love Sisters. Maintenant, j'ai le plaisir, l'immense plaisir, de recevoir Alexandre Chassagnac. Bonjour. Dont on dit, et ça reste quand même marqué, ténor de The Vox. Oui, c'est vrai, oui. Ça reste, ça reste. Ils disent toujours le fameux chanteur lyrique qui a fait se retourner le rocker. Oui, mais en plus de ça, surtout quand on sait pourquoi il s'est retourné, c'est parce que les autres pensaient qu'il y avait deux chanteurs. Exact, et puis ce que j'ai aimé aussi dans ses propos, que moi j'ai découvert après, parce qu'en fait on est un peu sur un nuage, il y a beaucoup de lumière, d'émotions et de choses comme ça. C'est vrai que j'ai aimé aussi, il dit, quand vous avez chanté, j'ai vu des anges tourner autour de moi. Et je pense que voilà, ça s'appelle aussi être connecté. Et les autres pensaient aussi que vous étiez deux sur scène. C'est ça, exact. Or que tu étais tout seul. Or que j'étais tout seul, oui. C'est immense. On va parler aussi de la vente de ton CD. Ah, le dernier album. 273 000 exemplaires. 000. Ça... Moi, je disais 270 000. Non, on n'est pas loin. On n'était pas loin. Alors, je te demande si tu peux me faire cadeau des 3 000 mais bien pour sûr, les animaux. Je te l'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Surtout quand tu parles des animaux. Ça, voilà. Déjà, tu vas sur quelque chose qui me tient à cœur, puisque moi, j'ai une petite princesse qui me suit maintenant depuis 5 ans et demi, qui s'appelle Nina, qui est la petite fille en espagnol, et qui est une petite chihuahua tête de cerf, et qui est mon bébé. Mais où elle est, là ? Elle est à la maison, voyons, tu sais. On est tellement mieux lovés dans sa petite bannière, à faire sa petite vie, tranquille. Elle n'est pas toute seule, hein. Non, elle n'est pas toute seule. Et donc, tout à l'heure, on va t'entendre chanter en live. Avec plaisir. Et tu m'as dit 2 chansons, et moi, je te supplie d'en faire 3. Mais tu sais très bien que c'est un grand plaisir, déjà, d'être ici avec vous, et puis... Ce que j'aime aussi, c'est cette jolie jante féminine qui est là et qui prospecte pour mettre en avant des artistes. Je crois que c'est la plus belle des histoires qu'on puisse vivre pour un homme, en tout cas. On peut parler aussi de ton talent et de ta joie de vivre et de cette gentillesse, l'amour des autres que tu as. C'est extraordinaire parce que c'est très important, n'est-ce pas ? C'est très important. Je pense que c'est très important. Excuse-moi, c'est vrai que tu as raison. C'est tout à fait important. Puis je pense que voilà, on est élevé au rang de maître qu'à partir du moment où on a des disciples. Voilà, exactement. Et les disciples sont ceux qui nous écoutent. On n'est rien sans eux. On n'est rien sans vous. On n'est rien sans la personne qu'on va croiser. Et moi, je suis rien sans toi.
Je ne suis rien sans toi. Antoine. C'est vrai que tu as raison. Tu as raison, c'est vrai que s'il n'y avait pas tous ces gens qu'on croise autour de nous et qui nous permettent de nous enrichir, nous ne serions rien. Voilà, comme tu dis si bien. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours qui est grandiose, mais je préfère que ce soit toi, par pudeur et par respect, parce que quelquefois on n'a pas envie de dire certaines choses. Moi-même, je n'ai pas envie de dire certaines choses sur moi, et Dieu sait ce qu'il y en a. Je comprends, oui. Et donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. Tu sais, je suis, avant tout, je suis un petit jeune qui a fait toute son enfance dans le Bordelais, à côté de Saint-Émilion. Je crois que tu allais dire dans le Bordelais. Non, dans le Bordelais. Oh bah donc, quand même. Dans le joli Bordelais, à côté de Saint-Émilion, à Castillon-la-Bataille, exactement. Et puis après, j'ai eu la chance de faire toutes mes études dans un coin complètement perdu qui s'appelle Sigoulès, dans les hauteurs du Bergerac. Je ne connais pas. Ce sont des coins magiques, en fait. Et c'est là qu'en fait, tout a débarré là. Ce fameux jour où un professeur demande ce qu'on veut faire plus tard. Et moi, je dis chanteur avec l'aplomb. Et puis, ce côté un peu effronté du jeune de 4, qui a 13, 14 ans et qui dit ce sera ça et rien d'autre. Et ce professeur me regarde et me dit: ah, très intéressant. Alexandre Chassagnac, vous voulez être chanteur, c'est ça? Je fais oui, monsieur. Et là, il dit: ok, est-ce que tu sais comment il faut faire? Et là, c'est la question. Et tu te dis qu'à partir de ce moment-là, ce monsieur qui s'appelle monsieur Périssé, j'ai un très, très grand souvenir. Et très souvent, je n'oublie pas de le nommer parce que c'est lui qui a ouvert ce fameux champ des possibles de Weber, qui est cet arbre des possibles, cette nervure qui vient du sol et qui nous permet de s'élever au rang d'être à part entière. Et puis, il va y avoir cette envie. Donc, je vais faire des études pour être auxiliaire de vie. Puis après, je vais aller plus loin pour être aide-soignant. Et puis, il va y avoir l'obligation militaire. Donc, je vais rentrer, je vais arriver dans l'armée. Je vais rentrer à la CMD de Bordeaux, qui est de la musique militaire de région qui dépend du général de corps d'armée. Et en fait, de là, je vais aimer une certaine rigueur. Je vais être volontaire au service long 7 mois supplémentaires. Puis il va y avoir à nouveau une autre proposition de 7 mois supplémentaires qui va venir à moi. Et je vais me dire, en fait, j'ai cette impression de différence. Et si je mettais cette différence au service de gens qui pourraient être faibles, je me dis, bah, allez, cette originalité, ce côté complètement différent, je vais le mettre au service du milieu militaire. Mais je vais m'engager. Je vais être 11 ans militaire. Donc, je vais partir à Sarajevo en 2001. Puis après, en 2004, je vais faire la Guyane en 2006. Et puis, il va y avoir l'émission « C'est mon choix » en 98-99. C'est mon choix. Avec Evelyne Thomas, toute première émission, premier prime time. Et on va découvrir ce fameux militaire qui arbore le grade de caporal et qui va devenir le fameux militaire à la voix d'or. Ce qui est extraordinaire parce qu'en fait, c'est le souhait en fait de ma petite filleule qui est devant la télévision. On est un 11 novembre. Je ne suis pas appelée à être sur les rangs pour saluer nos anciens. Et je vais voir ma nounou, qui est restée quelqu'un d'important dans ma vie, Francine. Et il y a ma petite filleule, Nadège, qui dit « Parrain, viens voir à la télé. » Il y a à la télé, ils cherchent des gens qui chantent et qui ont quelque chose de spécial. Et elle me dit, moi, j'aimerais trop te voir là. Je prends mon petit hola téléphone et je prends mon téléphone. Je dis juste bonjour. Je m'appelle Alex. Je pense que j'ai quelque chose de particulier pour votre émission. Et peut-être que vous allez m'appeler. En tout cas, je pense que j'ai quelque chose d'exceptionnel. C'est un répondeur, ouais. Et en fait, c'est Vanessa Brossoulot qui était la journaliste qui m'a sélectionnée. Et en fait, qui c'est marrant parce qu'après, je vais savoir peu de temps après que ça va être la femme de Monsieur Castaldi. En fait, voilà, il va y avoir une belle histoire. Je refais une petite parenthèse sur ton travail en tant que militaire. Donc, oui. Quelle place avait la musique et comment tu faisais pour t'entraîner? Parce que la chanson, c'est aussi un entraînement, comme quel que soit l'instrument. Bien sûr. Il y a un travail, j'ose dire, quotidien. Bien sûr. Et comment tu arrives à concilier les deux? Il faut savoir qu'en fait, quand on est militaire, on embauche à une heure fixe et on débauche à une heure fixe. On vit en dehors. Donc, quand je C'était ton passe-temps? Donc,
Non, là, mon Dieu, c'était plus que ça. Je pense que c'était viscéral. Et ça l'est toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi que je continue toujours à faire ce métier-là comme peintre. Tu as toujours fait que du lyrique ? Non, pas du tout. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le lyrique est arrivé bien après. J'ai toujours aimé le mélange des genres. Je suis fan incontesté de Klaus Nomi. Donc forcément, pour les gens qui découvrent et qui ne connaissent pas Klaus Nomi, c'est le premier chanteur lyrique qui a dépoussiéré l'opéra et qui a fait un truc très pop-rock et qui était produit par David Bowie. Ah ben, et forcément, quand on connaît Klaus Nomi, eh bien, on retrouve les Cold Songs, mais c'est surtout la Total Eclipse, etc. Ce sont vraiment des chanteurs comme ça. Alors moi, j'étais fan de ça, fan de Sarah Brightman et fan de Chimera. Donc, en fait, ce sont les trois artistes qui ont tout le temps été dans ma tête. Et j'étais malheureux. Je crois qu'encore aujourd'hui, je pleure en l'écoutant. C'est Maria Callas, forcément. Donc, tu passes ton temps à les reproduire, à les retravailler, leurs titres. En fait, j'écris, je compose. J'ai eu la chance de travailler avec des gens comme Jean-Hervé Limeretz, le pianiste de Daniel Balavoine. J'ai eu la chance de travailler avec des messieurs comme Jean-Raymond Binet, Irka Boschenko, qui est connu pour être James Bond Girl, mais qui a écrit surtout et qui est une très belle auteure-compositeur, qui a écrit pour Garou, plein de gens dans le milieu du spectacle. Oui, ça vous permet de partager cette art. Et puis j'écris. En fait, c'est ce que je disais à la Love Sister Queen, c'est qu'en fait, j'aime l'écriture et j'aime chanter les écrits des autres. Voilà, moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup apprécié en dialoguant avec toi, et Dieu sait ce qu'on a dialogué longtemps ensemble. Oui, deux heures. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'être humble. Tu es prêt à accepter si c'est intéressant, peu importe si tu n'es pas l'auteur de cette chanson, tu es prêt à accepter si la personne elle est correcte et va te dire elle aussi, bon voilà, moi je suis prête aussi à accepter que toi tu fasses aussi la démarche. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en toi et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce côté humble. Et ce côté humble, c'est le vrai artiste. C'est important, je pense que justement c'est ce que je disais tout à l'heure au travers des écrits, de la composition, de l'orchestration, mais aussi de l'être humain. C'est qu'en fait, la richesse de l'âme, elle vient de l'enrichissement de l'être. Exactement. À partir du moment, ce que je disais par rapport à l'écriture, justement, en off tout à l'heure, quand on a fini de faire vivre son personnage, qu'on lève la main et qu'on dit « maintenant, je peux le laisser continuer son chemin », parce qu'en fait, on laisse une place à l'imaginaire pour cette suite. Quel plaisir aussi. C'est un plaisir d'être drainé par ça. Voilà. Je suis férue de lecture. J'aime les écrits d'Amélie Nothomb. J'aime beaucoup les écrits. Je crois que je vais te faire un joli cadeau quand tu vas quitter le plateau. Ah, mais j'accepte les cadeaux. Tu sais que mais tu vas être obligée de me suivre. Ah, mais jusqu'au bout du monde. Attention, c'est une invitation au plaisir. Ah, mais ça, c'est vrai que l'écriture, tu vois, pour te dire l'écriture, moi, j'aime me retrouver dans mon havre de paix à la maison, un petit fond musical. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup. Je suis très Chopin, je suis très aussi Debussy, etc. Et j'aime me laisser porter par les écrits. Parce que très souvent, ça laisse une place à l'imaginaire. On s'envole, tout simplement. On s'envole. Et malheureusement, on a peu de temps pour dire tellement cette panoplie que tu as de talents, y compris de relations. Oui, qu'on a sûr, même ensemble. Bien sûr. Et donc, je voudrais savoir si tu aurais quelque chose de très spécial, puisque nous sommes en mars 2022, oui, déjà. Très spécial qui va arriver. Je sais que dans peu de temps, tu vas travailler avec des personnes. Oui, c'est tu ça. Un projet. Exact. Alors, il y a trois phases actuellement. Il y a la tournée mondiale avec le nouveau spectacle qui s'appelle La Mia Voce, qui veut dire ma voix en italien, avec des titres écrits et composés par moi-même, mais aussi des grands airs d'opéra, dépoussiérés, et mis en valeur entre l'homme et la femme, en fait. Voilà. Et après, il y a la deuxième phase qui est très importante aussi, c'est cette comédie musicale Métis, le monde des couleurs,
qui se joue à Pont en Charente-Maritime, ouais. mais qui va après va voir la direction de toutes les lignes. Donc là, j'enchaîne les gens sur ce prénom-là. C'est extraordinaire. Métis, parce qu'en fait, c'est une superbe comédie musicale. On y retrouve Constance. Voilà, il y a plein de gens qui jouent le rôle de ma sœur dans cette comédie musicale. Il y a Aymeric Ribot. On retrouve aussi c'est sous la houlette de Julien Alliette. Je pense que là, on va te réinviter quand même. Ce sera avec un grand plaisir. Je viendrai avec mes copains. Parce que sinon, ça, ah oui, t'amènes tout le monde avec bien toi. Bien sûr, j'amènerai tout le monde. Et donc, tu es encore plein de projets. Voilà. Et surtout, cette magnifique pièce de théâtre que j'ai écrite avec en jeu Madame Marie-Christine Adam, qui a chanté les chansons de cette pièce de théâtre et qui va le jouer au théâtre, et avec une superbe mise en scène de Monsieur Jean-Louis Tribe. Voilà. Voilà, vous avez. Non, mais non, on va avoir une chance inouïe, c'est d'entendre Alexandre chanter. Et on se retrouve après. Donc, on vous dit à tout à l'heure. Merci. Depuis, tu en as fait des films et moi aussi. Parfois, on se rencontre, on se parle du bout du cœur, du bout du souvenir. Et chaque fois entre nous, il y a cette vieille musique qui se noue. Serait-ce un chant militaire ou un chant d'espoir? Mais en tout cas, j'avais juste envie de te dire ça. Oh.
I don't, I know my soul so weary. When troubles come, the morrow's burning deep. Then I steal that world of silence until you come and steal the way we be. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up the walk when storms cease. I am strong and know my soul so weary. Until you come and steal the world. Alors, je crois, juste, je vais finir là-dessus. Il y a Ma chère Queen, je vais dire un truc. En fait, si je t'ai émue et si je, ça t'a à ce point-là bouleversé que tu en perds ton français, je suis ravie alors. Elle a ta voix extraordinaire, mais je crois en connaissance de cause que tu as 4 octaves et demie. C'est ça, hein? Oui, exact. Oui, j'ai 4 octaves et demie et tu sais combien Alors moi j'aime le chant. Je me mets jamais à me dire tous les matins en me levant, ah dis donc t'as 4 octaves et demie mec quand même. Mais je me dis surtout la chance d'avoir ces 4 octaves. Je voudrais savoir. Ça m'ouvre l'amour des autres. Étant donné que tu nous as chanté si bien et tout, je voudrais que tu me dises une phrase très slam, très douce. Juste une phrase. Tu veux que je te dise quelque chose? Mais oui. Bien sûr. Alors,
comment je pourrais dire ça? Alors, souviens-toi du premier film, souviens-toi. Nous étions de jeunes comédiens, toi et moi. L'action se passait du côté de Cabourg et c'était une histoire d'amour. Tu étais fantasque et poète et moi j'étais moi. Comme c'était en novembre, on tournait dans un vieux palace désert face à la Manche. Et nos cœurs étaient comme ces deux souvenirs de femmes blanches. Puis vient une voix dans le haut-parleur qui nous dit « Moteur, musique ». Musique. Maintenant, on va te demander une chose. Comment on fait pour te joindre? Alors, on me joint tout simplement, les amis. Vous avez un www.alexandrechassagnac.com. Ça, c'est le lieu pour me retrouver. Et puis sinon, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Obligé. Alexandre Chassagnac. Ah, obligé. Obligé. Obligé, puis surtout pour les lives et pour le reste. Et puis bien sûr, pour tout ce qui est proposition artistique. N'hésitez pas. Annuel LDA. LMDA, étude des arts de la voix et du spectacle, LMDA, fédérateur de talents, numéro de téléphone, j'en ai un, mais surtout, je suis plus facilement joignable par le contact. Avec moi, par moi, contact. Par mon intermédiaire. Alexandre Chassagnac, @yahoo.fr. Voilà. Elle est géniale. Merci. Merci à vous, merci. Tu restes avec nous un bien peu. Bien sûr, je veux entendre parler de ces livres-là. Voilà. Et nous voilà maintenant avec un nouvel invité. Qui a été très sage. Il n'avait pas du tout envie d'être sage, mais c'était tellement intéressant ce qu'on entendait tout à l'heure. Et pourtant, c'est un faux sage. Il s'appelle Julien et il est présenté par Myriam. Bonsoir à toutes et à tous et merci encore pour ces quelques notes qui nous ont envoyé le palpeau et de tous les niveaux. Maintenant, nous allons, comme vous parliez tout à l'heure, c'est un très bon fil conducteur, de la musique pour mieux lire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Julien Brun, qui est écrivain. Bonsoir à toi et bienvenue chez Love Sisters. Bonsoir et merci de me recevoir. Alors, Julien, il faut quand même que je t'avoue quelque chose. J'ai une idée derrière la tête quand même. Hein. Je me doute. Tu t'en doutes. Hein. Je vais te voler tes supports de... Ah, c'est ça. T'es pas la première à me le dire. Hein. Ah oui, non. C'est parce qu'on n'y pense pas, hein, mais... Merveilleuse idée. Hein. C'est pratique sur les salons. Oui, alors là, aujourd'hui, on ne va pas parler que du support, mais surtout du contenant et du contenu. Et voilà, donc Julien, tu es écrivain depuis, on ose dire, 10 ans. Je me suis mis à l'écriture il y a une dizaine d'années. Voilà, suite à des passages de vie qui t'ont secoué et qui t'ont dit « je vais exorciser tout ça à travers l'écriture », ce que tu peux nous raconter? Oui, en 2010, donc j'ai subi un licenciement qui était le temps passé. Oui, fin 2010, décembre 2010. J'ai subi un licenciement assez douloureux. Ça faisait plus de 11 ans que je travaillais dans une entreprise et du jour au lendemain, j'ai été remercié, pas très proprement. Et donc, voilà, du jour au lendemain, ma vie s'est un petit peu écroulée. J'ai perdu beaucoup de repères. C'est combien de temps que tu étais... J'étais salarié depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est voilà. Pas très propre. Ben, ça s'est fait d'une manière pas très propre. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a des clauses de confidentialité. Mais... Voilà, je me suis retrouvé du jour au lendemain. Donc t'as plus de repères et ouais, sans rien, c'est-à-dire que bon, les journées sont longues. Temps, voilà. Je partais très tôt le matin, je rentrais très tard le soir, donc on se retrouve un petit peu perdu. Voilà. J'avais aussi en moi, de la façon dont les choses s'étaient déroulées, pas mal de colère. Je ressentais beaucoup d'injustice. Oui. Voilà. Et j'ai eu un matin le besoin de me poser, de prendre une feuille, un stylo et d'écrire. Alors ça a commencé par des petits billets d'humeur de 300, 400 mots sur une thématique ou une autre, voilà, une colère. Et puis je les ai fait lire autour de moi et on m'a dit « ouais, c'est pas mal, il y a quelque chose, il y a un fond, il y a un style ». Et donc petit à petit, je me suis pris au jeu. Et j'ai continué par... Combien de temps tu as mis à écrire ton premier livre? Le premier, ça a été long. Parce que voilà, pour passer de petits billets comme ça, après j'ai écrit quelques nouvelles. Tu t'es servi de ces billets justement pour écrire ton ouais, livre? Ouais, et puis après, voilà, après j'ai basculé dans le roman, mais ça a mis plusieurs années quoi, pour basculer vraiment dans l'écriture d'un roman. En fin de compte, quand on a démarré, après quand on a fini le premier travail, je suppose qu'après ça suit...
Ça suit vite. Oui, après, il y a plein de... On peut parler de roman autobiographique par rapport au premier. Le premier, oui. Et clairement... Lequel? Le premier, c'est « Besoin d'ici, désir d'ailleurs ». La couverture bleu nuit. Le début et la fin du livre, ça parle, enfin, ça vient vraiment de moi. C'est-à-dire, c'est un personnage qui perd son travail et qui, le lendemain, il va à l'aéroport, il prend le premier billet d'avion pour le premier avion en partance. Et il atterrit à Santiago du Chili, en Amérique latine, et il va parcourir tout le continent latino de Pourquoi Santiago. Pourquoi l'Amérique latine ? Parce que l'Amérique latine... T'es attiré par ce... J'adore la culture hispanique, j'adore la... Voilà, là, je ne l'ai pas fait. Ah, c'est dommage. Malheureusement, je n'ai pas pu faire ce voyage. C'est la chance du roman, on peut s'évader. Et c'est peut-être à travers ce personnage que je me suis reconstruit, parce qu'en fait, il vadrouille dans toute l'Amérique latine, et il va dans chaque étape, il y en a 16 escales à peu près, je crois, oui, 16 escales de mémoire, et à chaque fois, il va être mis en avant une ville, une région, à travers un prisme politique, un prisme culturel, un prisme philosophique, un prisme poétique, et ça va permettre au personnage de se reconstruire, de réfléchir sur ce qu'a été sa vie, sur comment il a construit ses réussites, mais aussi ses échecs. L'échec étant positif dans ton cas. Pardon ? L'échec étant positif, de ce licenciement à cette écriture exutoire, tu arrives à trouver la solution pour te retrouver toi-même déjà, oui, et découvrir l'écriture qui te donne plus qu'un fil conducteur, oui, parce que c'est un pilier de ta vie maintenant. Oui, voilà, parce qu'à la fin du livre, effectivement, le personnage principal trouve sa voie grâce à l'écriture. Mais ce qui est bien, Julien, c'est que moi, je suis partie de ton histoire, et tu as vu, j'ai vraiment pensé comme tu l'expliquais, toi. Donc ça veut dire que déjà tu expliques bien, ça veut dire que tu écris bien. Comme tu l'expliquais, j'ai pensé vraiment que tu y étais. Hein. Tu y étais là-bas. Hein. Ah bah, déjà, c'est des régions qui m'attirent de par la langue, de par les paysages, de par l'histoire. L'histoire qu'ont vécu la majorité des pays latino-américains, c'est des pays qui ont été bercés par la dictature, par beaucoup d'injustices. Beaucoup d'inégalités. Tu fais un passage politique à ton idée aussi ? Pardon ? Tu fais un clin d'œil politique aussi dans tes écrits ? Oui, forcément, il y a un parti pris, oui, il y a un engagement de ma part, je me cache pas, oui. Il ne faut pas se cacher. Non, mais je trouve que c'est bien. Voilà, mais tu parles donc du premier roman, et maintenant tu veux un peu nous parler des autres ? Bah, les autres sont des histoires aussi qui sont essentiellement basés à Barcelone, parce que c'est une ville... Toujours dans le côté espagnol. Ouais, c'est une ville que j'adore, à Barcelone. Je l'ai découverte, j'avais 13-14 ans. Et c'est plus accessible. Oui, voilà, c'est pas très loin de Montpellier. C'est surtout bourré d'images. Quand on parle justement de l'Espagne ou du Portugal, justement, ou même d'ailleurs de l'Amérique latine, parce que moi, ma maison de disques, justement, on a une grosse émergence sur l'Amérique latine. Et je rejoins tout à fait ça. Il y a une histoire, il y a une culture, il y a une richesse. Et l'Espagne, mais Madrid, c'est la Puerta del Sol, c'est la Plaza Mayor. Et la joie de vivre. Et la joie de vivre. Puis, non, mais oui. C'est les odeurs. Les odeurs, il a raison. Tout à fait, mais c'est aussi tout à l'heure, tu parlais à travers tes chansons d'ouvrir des chemins, de faire voyager les gens. Et je trouvais que, enfin, c'est moi aussi, mon idée, c'est ça, c'est de faire voyager les gens le plus loin possible. Bien sûr. Il y a tellement d'écrivains français qui écrivent sur la France que finalement, le fait de découvrir autre chose, en fait, les problématiques peuvent être les mêmes. Qu'on soit en France, en Espagne, au Chili, ou en Équateur, ou à Cuba, peu importe, des problématiques sont les mêmes. Le chômage, les inégalités, l'homosexualité, tout ça. Exact. Bon, voilà,
il faut pas croire, hein, c'est pas mieux. Toujours ici, un message que, ouais, de tolérance dans, voilà, tes, voilà, de non injustice et de tolérance dans tes livres. Et l'idée, voilà, l'idée, c'est de voir aussi que ailleurs ça se passe aussi comme ça, qu'il y a ces mêmes problématiques là. Et comme tu disais, le message principal, c'est de faire sauter les barrières. C'est que finalement, de prime abord, on a peut-être beaucoup de différences les uns envers les autres. Mais c'est aussi une richesse. Voilà, c'est une richesse. La clé de la solution. La solution, mais si on était tous pareils, on serait ennuyeux. Voilà, si on est tous uniques, comme on vit dans une société qui est de plus en plus fracturée, qui est de plus en plus violente au niveau verbal. De plus en plus violente. Et voilà, et les gens finalement ne s'écoutent plus, ne se respectent plus. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on peut le laisser parler jusqu'au bout. On n'est pas obligé de lui couper la parole, on n'est pas obligé de le dénigrer, on n'est pas obligé de lui manquer de respect. Les gens ont droit d'avoir des idées, voilà. Et des idées différentes. Différentes, voilà. Quand je regarde, tu vois, quand je regarde tous, je regarde toi. Et comme je disais à Alexandre, eh bien, vous avez ces yeux d'enfant, ces yeux qui représentent la tendresse et l'affection pour l'autre. Mais je le sens, tu vois. Oui, voilà, moi je suis papa et c'est vrai que bon. Oui, on a eu la chance de croiser ta charmante. Voilà. C'est Laïa. Laïa dans les coulisses, voilà. Une charmante demoiselle qui suit son papa et bien raison. C'est une bonne idée ça. Et c'est vrai que bon, par rapport à ma fille, voilà, j'ai envie de lui transmettre des belles choses, même si la société n'est pas forcément toujours très jolie. Très belle, j'ai quand même envie, sans lui cacher la vérité. Reste, mais... les valeurs, ouais, et l'éducation, malgré tout, des parents restent. Dans tes dires, ce que j'aime, en fait, c'est cet effet miroir, en fait, que l'on peut avoir. Si on ne peut pas voyager, bon, on va voyager avec un livre. Et le fait est de nous emmener justement sur les routes avec le personnage. En plus, si c'est à la première personne, c'est encore 10 000 fois mieux parce qu'en fait on a cette impression. J'aime mieux la première personne. Ouais, moi aussi. En fait, accompagné comme ça par l'auteur dans les sillages de cet effet miroir qui est tellement important. Ce que tu dis, tu as raison quand tu dis à l'opposé du monde, il y a quelqu'un qui vit la même chose, qui vit la même chose, endroit, se lève partout, à la même heure et vit peut-être avec un soleil différent, une intensité différente. Avec le même soleil, mais les problèmes plus ou moins, voilà. Et ce très souvent, en fait, ce qui pour d'ailleurs, nous dans est un, difficile. Dans un de mes livres, je ne sais plus lequel, mais il y a un passage que j'aime bien, c'est le personnage principal qui est à Barcelone, sur les hauteurs de Barcelone, sur les collines, parce que tu connais, à Collserola, tout en haut. Ah bah oui, bien et sûr. Il regarde le soleil se coucher. Et au moment où le soleil descend et disparaît, il a ces paroles de dire à toi, mon frère chilien, je te passe le relais. Parce que lui, là-bas, le soleil se lève. Et finalement, il y a toute une... Beau. Voilà, c'est une fraternité. C'est très, très beau. Très beau. Et quelle poésie et quel humanisme dans tes propos. Je trouve ça vraiment... Je trouve qu'en fait, le monde appartient à l'humain, en fait. Mais il appartient pas à une frontière. Mais bien sûr, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. C'est sûr. Par contre, justement, là, on est en période Pâques qui arrive. Où peut-on trouver... Enfin, il n'y a pas de période pour lire. Mais où est-ce qu'on peut trouver ton livre ? Tes livres. Alors, mes livres, donc, ils sont tous les quatre donc, édités par une petite maison d'édition qui s'appelle 5 Sens. Qui a été distribué où ? Alors, 5 Sens. Oui, 5 Sens édition. Voilà. Oui, les Sens, oui. Donc, on peut effectivement se les procurer donc, auprès de ma maison d'édition. Alors, je te propose de le dire clairement à la caméra. On peut donc se procurer. Tu coules sous les commandes. On peut se procurer donc mes livres auprès de 5 Sens édition, ma maison d'édition. Ils sont faciles à trouver sur Internet. Il y a la librairie Sorams aussi qui a quelques exemplaires normalement en stock. Sinon, j'ai sur Facebook Julien Brun, auteur. Voilà, et je suis parfois, mais là j'ai sur quelques salons du livre. Et tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre ? Oui, c'est le 06 38 93 75 50. Il est super gentil. Greg a été un petit peu trop sage.
Je suis. Il est très j'écoute, j'aime bien écouter aussi. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, là, t'es trop sage. Hein. On va le dévergonder un petit peu. J'adore quand c'est bercé comme ça. Puis on a un plateau très éclectique aujourd'hui. C'est vraiment très bien d'avoir. C'était très bien. Nous sommes chacun avec son art. Ravi de vous avoir eu. Vraiment ravi. Merci à tous. Merci. On revoit toujours nos artistes. Jamais une seule fois. On a Alexandre qui a le mot de la fin, je crois. Je voulais juste te dire une chose, c'est que je suis ravie d'être là, ravie d'avoir fait cette émission, parce qu'en fait, c'est de la découverte. Et il faut jamais oublier que la découverte ne se fait pas que par la télévision et par ce côté lobotomisateur, en fait. On a la chance aujourd'hui d'avoir un média comme le tien, qui nous permet de venir dans une grande simplicité et avec cette gente féminine, justement, apporter une partie de nous-mêmes. Je crois que voilà, ça, c'est un pari gagné. Et je souhaite une très, très grande vie à cette émission et à ce partage que tu nous offres. En tout cas, merci. Je te remercie beaucoup. En tous les cas, nous, on peut dire qu'on est fiers parce qu'on a déjà plus de 150 artistes qui attendent de passer à l'Obsister. Et on voulait aussi, par la même occasion, remercier l'équipe technique Philippe Monnier. Le jeune homme Philippe Monnier. Et vas-y, dis les noms. Bah écoutez, déjà Nico l'ingénieur et Antoine. Antoine. Au son et à l'image, il est là, il est fidèle aussi. Il commence à se plaire ici, je crois. Il dit rien, mais il commence à se plaire. Mais il regarde quand même. Sans oublier. Et sans oublier. Ton mari. Mon mari, Stéphane. Qui supervise. Qui supervise, qui surveille quand je fais des bêtises. Et sans oublier toutes les chroniqueuses qu'on aime. Et même les anciennes, qu'on les oublie pas. Mais elles peuvent revenir quand elles veulent, mais nous sommes une quinzaine, nous sommes heureuses et on voulait vous dire les beaux jeunes hommes, merci merci à vous. Et merci à vous qui nous regardez. Bye bye.